Salut à tous, c'est Julien Linel. Je m'en vais à destination la Pologne dans mon nouveau club, donc j'en profite pour vous toucher 2-3 mots de cette fin de compète qui a championnat d'Europe qu'on vient de remporter. Écoutez, c'est allé très 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 vite. Là, c'est encore un peu flou dans mon esprit parce que tout est allé extrêmement vite. C'était purement incroyable. Je crois que j'ai pas vraiment de mots pour vous définir le sentiment et les sensations qu'on a pu tous ressentir en tant que joueur. C'était incroyable. On commence à écrire une nouvelle page de l'histoire du volleyball français et on est tous vraiment vraiment très très fiers de cette compétition, mais surtout de cet été qu'on vient de terminer. On avait vraiment la volonté d'aller jusqu'au bout et puis on y est allé et puis voilà, donc c'est que du bonheur. Maintenant, place à une nouvelle aventure avec nos clubs là pendant 2 mois avant de se retrouver pour la qualif au jeu. Je suis parti avec un sac à dos assez spécial. Je crois que je vais vous le montrer. Je pense que ça signifie pas mal de choses. C'est pas forcément notre sponsor officiel. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est le France avec les anneaux olympiques juste dessous. On est tous focus là-dessus. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça de vrai. Maintenant, on pense uniquement à ça. Sans parler, bien sûr, de notre championnat avec notre club. C'est quand même très important. Mais c'est vrai que là, c'est Rio 2016 est dans la tête de tout le monde. Et après un été aussi rempli que celui-là, on a tous envie de décrocher une place pour les JO et de faire un résultat pour les JO. Voilà, je vous remercie, je vous laisse parce que je dois embarquer pour la Pologne. Encore merci, bye bye, ciao. Salut à tous, c'est Franck Laffie. Voilà, je viens juste d'arriver dans mon nouvel appartement à 7. On a gagné la finale des championnats d'Europe il y a à peine 2 jours. Et donc on est mercredi et là je reprends l'entraînement avec mon nouveau club. Donc voilà, c'est vrai que c'est des moments fabuleux qu'on a vécu avec cette équipe de France tout l'été. Et on doit enchaîner tout de suite. Donc là j'ai même pas encore déballé mes cartons qu'il faut que je retourne à l'entraînement. C'était juste pour vous faire partager ces moments, pour vous montrer à quel point c'est difficile d'enchaîner et les calendriers des volleyeurs français sont chargés. Mais malgré tout, on va essayer de tout donner avec nos clubs pour ensuite se qualifier aux Jeux Olympiques en janvier. Voilà. Allez, je vous dis au revoir.